Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, programme push du PPL. Le programme consiste à pousser. Aujourd'hui, on va pousser. On va travailler les pecs, les épaules et les triceps. Parce que tous ces exercices-là sont dans le pousser. Ok? Par contre, je tiens à te mettre en garde. D'accord? Je tiens à te dire que le programme est difficile. Je l'ai corsé. Donc, si tu as l'habitude de faire mes programmes, ça va. Tu pourras bien le faire. Si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, ça peut être compliqué. Tu risques de ne pas aller au bout parce que là, on ne va pas rigoler. J'ai décidé de te concocter un programme PPL assez compliqué, ok? Donc, prends ton eau, prépare-toi et on commence. Premier exercice, on va sortir du développé couché en unilatéral comme j'ai l'habitude de faire, ok? On se couche, on fait 10 reps d'une main, 10 reps dans l'autre main et 10 reps les deux mains. On va faire ça 4 fois 10 répétitions. Avec 1 minute 30 de repos. On commence fort pour avoir mal pendant cette séance. C'est important. Hop. Allez, on y va. Allez, hop. Position de départ, haltère en haut. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre bras. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon temps de repos et mon petit trait tranquillement. Ok. Voilà. Là, ce programme-là, comme je t'ai dit, il va être dur, donc faut être prêt. Faut être prêt, faut être préparé. Faut bien manger avant, faut être au taquet. Moi, comme tu vois, là, j'ai des BCA pendant la séance. Avec des glaçons dedans et j'ai aussi de l'eau. Parce que les BCA, c'est bien, mais au bout d'un moment, t'as envie de boire de l'eau, t'as envie d'avoir un goût d'eau dans la bouche. Comme quoi, ce programme, on n'est pas là pour rire. On est vraiment là pour se déchirer. Normalement, ma congestion, tu la verras, je serai bien. Là, pour l'instant, je suis encore endormi, mais la congestion sera très, très bien, sera pas mal. Parce que là, je me suis laissé aller, là. J'ai fait plein de choses, plein de tournages où je mangeais mal. Je suis parti au ciné avec des frérots. Et c'est compliqué, j'ai mangé n'importe quoi. Et voilà, c'était dur. Petite sortie aussi avec madame. On a bien mangé. Et il faut que je me reprenne en main, c'est important. 1 minute 10, tranquillement. On va repartir à 15 parce que je suis chaud. Mais toi, tu peux rester jusqu'à 1 minute 30. Allez, hop, on y va. Position de départ en haut. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, allez, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Hop, je mets mon temps de repos très important et mon deuxième trait. Voilà. Là, pour ceux qui ont l'habitude de faire mes programmes, tu vas voir que celui-là, on n'est pas là pour rire. On est là pour se défoncer. On est là pour se faire mal. Tu vois les programmes points faibles qui t'ont fait mal, pour certains, bah ça, c'est comme si c'était un gros programme point faible. Mais on est bien. On est bien. Cela dit, ça va dépendre de tes charges. Si tu prends des charges assez lourdes, tu vas en chier. Si tu prends des charges moyennes, comme je le prends actuellement, ça va aller. Et encore, ça peut être compliqué. Tout dépend de ton niveau global en musculation. Là, tu vois, là, je suis déjà un peu essoufflé. Alors que j'ai rien fait en nos premiers exos. D'accord ? Après, je vais pas te mentir, ça fait combien de temps ? Ça fait peut-être une semaine et deux jours que je suis pas allé à la salle. À cause du travail. C'est un peu compliqué. On est un peu en reprise. Mais ça va, on va assumer cette séance. Sachant que je sais pas. Si je te tourne toutes les vidéos du PPL aujourd'hui,
ou si je fais un ou deux programmes. Tout dépendra de ma force à la fin de cette séance, parce que moi je suis un fou avec ça. On arrive à 20, 1 minute 20, on va rester jusqu'à 30 là, histoire de bien repartir et pas trop me cramer, parce que le programme, comme je t'ai dit, il est corsé. Ok, 1 minute 30, on prend les haltères, position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, c'est le premier exo, 8, 9, 10, premier exo, c'est rien. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus le programme est dur, plus tu vas progresser. C'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Oh. Je mets le temps de repos. Le troisième trait. Il en reste une dernière. Et le premier exo est terminé. D'ailleurs, comme toujours dans les programmes, hein, je tiens à vous remercier pour ceux qui aiment mes vidéos, qui partagent, qui commentent. On est passé à 4000 abonnés. Donc je remercie. Merci à ceux qui me félicitent pour les 4000 abonnés. Comme je vous ai dit, l'objectif avant la fin de l'année, enfin si c'est possible, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. On va essayer de s'y rapprocher ou les atteindre. Mais moi, je vais toujours continuer à faire du contenu, à faire les choses bien par rapport à ça et te proposer de la qualité. Parce que comme tu dis, je suis un vidéaste. Mon truc, c'est l'image et le son. Donc, j'essaie de te donner une bonne expérience à travers mes vidéos. Petit à petit, j'essaye de m'y prêter au jeu et de t'apporter de la qualité. Comme là, dans ce programme-là, je mets des petites lumières bleues. J'ai mis un vrai setup lumière, histoire que le programme soit agréable à regarder et agréable à suivre. Tu vois, même si que les autres programmes, tu les kiffais, moi je les kiffais pas parce qu'au niveau de la lumière et tout, c'était pas encore ce que je voulais. Mais là, on commence à arriver à un setup qui commence à ressembler à ce que j'ai envie de proposer. C'est important. Je regarde le temps parce que si je parle un peu plus que 1:30, c'est mort. Ça va. Il reste un peu plus de 10 secondes. On va repartir tranquillement pour la dernière. Ouh. Et valider le premier exercice. Ok, c'est bon, on se replace. C'est la dernière, on y va. Premier exercice, position de départ, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, c'est que l'échauffement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Je mets mon petit trait. Hop. Mon temps de repos. Ok, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, on va faire du développé couché normal avec haltères. Mais cette fois-ci, mon temps de repos sera réduit. Parce que comme je suis dans une phase où je dois me tracer, je mets un temps de repos un peu plus court que d'habitude, d'accord? Et comme c'est un exercice de développé couché simple et j'ai une charge moyenne, je me mets un temps de repos court. Si ton objectif, c'est comme moi, c'est de te tracer aussi et d'être esthétique, fais ça aussi. Mais après, comme le programme est assez corsé, pour une prise de masse, ça peut être pas mal. Si t'es pas vraiment en mode... Enfin, si t'es pas à mon niveau, tu peux faire ça, tu vas prendre de la masse, t'inquiète pas. Si t'as moins de 2 ans d'expérience en musculation, tu peux faire ça, t'inquiète pas, tu seras esthétique. Et moi, je le fais pour moi, pour mes pecs, surtout pour le bas des pecs, ok? Ça va être intense, ça va être court, mais on va s'accrocher. C'est parti. Oh. Comme je t'ai dit, développé couché, normal, d'accord? Ça veut dire que tu restes comme ça, hop, et tu montes, tu redescends. Ok, on fait 4 fois 10 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Hop. Temps de repos, c'est parti. Un petit trait. Petit rappel,
pour bien sentir ses pecs travaillés, colle bien tes omoplates sur le banc. L'arrière-épaule, il faut qu'il colle le banc, d'accord? Comme ça, tu sentiras tes pectoraux. Et normalement, avec le premier exercice, on a fait un exercice pour réveiller les pectoraux. Comme je dis dans mes programmes, dans mes trois exercices, un exercice qui réveille, d'autres exercices qui tabassent, d'accord? On a réveillé les pectoraux, là, on va les tabasser. C'est important et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on progresse en cassant sa routine de programme, d'accord? Je vais boire un peu de BCA avec les glaçons. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. On repart dans un peu moins de 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Hop, on y va. Allez. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, je mets mon temps de repos. Deuxième trait. Il en manque deux. C'est très rapide, mais on est là pour se tabasser. C'est important. On est là pour se tabasser. Le temps de repos influe sur la progression aussi musculaire. C'est pour ça qu'il faut jouer avec son temps de repos. Moi, je joue avec mes temps de repos. Je suis là pour casser ta routine d'entraînement. Je suis pas là pour qu'on s'amuse. Je suis pas là pour qu'on rigole. Je suis là pour qu'on progresse ensemble. Je suis là pour être fier de toi et fier de moi. Fier de rendre des gens autonomes et fier de devoir évoluer. Donc, je suis content quand tu m'envoies des messages avec ta progression, ton évolution. Moi, je veux que tu sois plus balèze que moi, d'accord? Parce que moi, je me rends vers l'audiovisuel. J'aurais pas trop le temps de faire la muscu tout le temps. Donc, si tu peux me dépasser, profite. C'est important. On arrive à 50 secondes. On va bientôt repartir. Donc, pour l'instant, je suis bien. Je suis assez tranquille. On va voir ce qu'on va faire pour la suite. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, je mets mon temps de repos. Mon troisième trait. Là, il commence à faire chaud. Je commence à avoir chaud. J'ai commencé le programme à 19h, tu vois, tranquillement. J'ai publié une petite vidéo sur YouTube. Et j'ai balancé le programme parce qu'il faisait tellement chaud aujourd'hui, les mecs, que si je faisais mon programme, c'était fini, j'allais fondre, j'allais pleurer. Sachant que j'ai un micro sur moi et j'ai pas envie de l'endommager avec la transpiration. Trois gorgées, on est très très bien. On est très très bien. Peut-être que j'aurai de la force de faire un autre programme après. Si possible. On verra. Je suis pas encore à la fin, mais on verra. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Très bien. Hop. Je mets mon temps de repos. Mon petit trait. Là, tu prends 1 minute 30 de repos ou 2 minutes. Et on passe au troisième exercice pec. Troisième exercice pec, on reste sur du développé couché normal avec haltères, sauf que là, on va rapprocher les haltères, d'accord? Hop. On reste sur ce mouvement, ok? Mais là, comme je t'ai dit, on va rapprocher les haltères et serrer les haltères au maximum, ok? Hop, ce mouvement-là, on rapproche, on serre les haltères au maximum. Ok, on va se faire comme tout à l'heure, 4 fois 10 répétitions, repos 1 minute. Ok, on va vraiment bien taper dans le centre des pecs, c'est important. On y va, allez. 1, 2, 3,
4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, c'est très bien. Un petit trait et on y va. Là, tu vois, ces trois exercices, mec, sont vraiment faits pour te détruire. Là, je conçois que dans ce programme-là, je mets l'accès sur le bas des pecs et un peu le centre. Parce que c'est là où est un de mes plus gros points faibles et un des points que j'ai envie de rattraper. Parce que le haut des pecs, j'ai déjà assez bien rattrapé. Bon, on le voit pas là, mais quand je suis en congestion, le haut des pecs est assez bien développé. Mais les bas des pecs, il manque un peu de définition. Et là, j'y travaille dessus. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de compléter ce programme-là par un de mes points faibles haut des pecs. Ça peut être très intéressant. Ou alors, encore du bas des pecs si vraiment tu as envie de t'exploser encore plus. Mais je trouve ça plus judicieux de mettre le point faible haut des pecs avec ça. Ça peut être intéressant. On repart, c'est parti. Ouh. Une. Deux. Allez. Trois, on serre bien les pecs. Quatre. Cinq. Allez. Six. 7, allez, 8, 9 et 10, très bien. Oh. Oh. Je mets un deuxième trait. Hop, 2. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Là, je commence à rentrer dans ma séance. Je commence à être un peu plus focus. C'est très, très bien. Là, c'est le dernier exercice pec. Après, on va attaquer les épaules. OK? Donc, ça, il faut être vraiment focus. Là, ce qui est bien, c'est que les exopecs ont travaillé un peu les épaules. Donc, je me sens congestionné et pas mal. Ça a bossé aussi les triceps. Donc là, je me sens bien pour la suite. Je me sens concentré et focus. Et c'est dans cet état-là qu'il faut être. D'accord? J'ai pas de musique, malheureusement. J'aurais aimé avoir la musique. Mais je dois te motiver, je dois te parler, je dois compter les séries pour toi. La musique, ça passera après. Ça passera en salle de sport, ok? Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On repart. Pour la troisième. Allez. Une. Deux. On est dedans, là. On est dedans. Allez. Trois. 4, on est dedans, allez. 5. 6, on est dedans, allez. 7. 8, on lâche pas. 9. Et 10. On est dedans, on est dedans, on est dedans. J'ai mis le temps de repos. Troisième trait. Il en reste une dernière. Et on sera bien. Une dernière et on sera bien. Oh. Là, je commence à sentir le programme. Je vais boire de l'eau cette fois-ci. Ah, ça fait bizarre. De boire un shaker avec des glaçons dedans, de BCA. Et boire de l'eau chaude juste après, crois-moi que c'est un bail bizarre. Faut être prêt, faut vraiment être un charbonneur pour boire de l'eau chaude. Oh. Allez, il reste 10 secondes. On va bien repartir pour la dernière en pec. Allez, hop, on repart. On y va. Ouh. Une. Ok. Deux. Ouais. 3, ok. 4, on y va. 5, c'est la dernière. Allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Ouf.
je mets mon dernier trait. Très bien. Hop. Mon temps de repos. Bon, là, tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe à l'exercice suivant. Quatrième exercice. Exercice épaule. Bon, cette fois-ci, j'ai pris une chaise. Je t'invite aussi à prendre une chaise pour être bien calé au niveau du dos. Parce que là, on va travailler les épaules. Et en développé militaire, on sera bien et tranquille et en sécurité. Donc, comme je t'ai dit, développé militaire, mais pas n'importe quel développé militaire. On va se faire mal aujourd'hui. Il faut être prêt. Hop, tu prends tes haltères. On va faire comme les pecs, d'accord? On va en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 avec les deux. Ça va faire mal, mais c'est comme ça qu'on évolue. 4 fois 10 répétitions, une trentaine de repos. C'est parti. Position de départ, toujours en l'air. Et on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. J'y mets vite mon temps de repos, 1 minute 30 de repos. Et je mets mon petit trait. Voilà. Ça, ça va faire mal. Ça, ça va faire vraiment mal. Faut être prêt. Oh. Je sens un peu mes épaules tirées. Mais ça va. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh. Les épaules, c'est important. Faut bien les bosser. Faut les tabasser. Et comme je t'ai dit, dans un des exercices épaules, d'accord, le développé militaire est l'exercice où tu peux vraiment bien charger et bien tabasser tes épaules. Donc il faut bourriner ce mouvement. Faut bien le faire. D'accord? Apprends ce mouvement. Fais-le. Gagne en force. Mets la charge et développe tes épaules. C'est ce qu'il y a à faire. C'est un mouvement difficile parce que moi, je voyais les gens charger dessus, mais j'avais du mal à bien monter au niveau des poids. J'avais du mal à faire ce mouvement-là. Je me suis posé en salle, j'ai appris le mouvement, j'ai attaqué ce mouvement-là et j'ai progressé dans ce mouvement tranquillement à force de le faire. Aujourd'hui, tu le fais à la maison, en salle, tu seras un monstre avec. D'accord? Donc, fais-le à la maison, attaque-le à la maison et après en salle, si tu vas en salle, fais-le fort. Ou quand tu achètes des poids, progresse avec ce mouvement. C'est important. Hop, on va repartir tranquillement parce que la minute 30, elle est terminée. Et on y va pour la deuxième. Hop. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Putain. Repos. 1:30. Et je mets mon deuxième trait. Comme je t'ai dit, on est là pour progresser. On est là pour se faire mal. On est là pour évoluer. Pour tous ceux qui s'entraînent avec mes programmes depuis plus de 3 mois, parce qu'il y en a plein, ce programme-là va te faire évoluer encore pour 3 mois. Après, il faudra le changer. Il faudra acheter de la difficulté, mais ce programme va te mettre bien. Il est très difficile. Déjà, si tu peux le faire en entier, si tu sais le faire en entier, c'est très très bien. Si tu ne sais pas, fais-le. Apprends à le faire en entier, apprends à maîtriser les charges, apprends à bien faire les mouvements. Et tu verras que tu vas évoluer et ça va être très très beau. Parce que là, les programmes que je te donne, c'est pas juste des programmes types. Là, c'est pas un programme type que je te donne. Là, c'est de la destruction. Le programme type, à côté de ça, c'est de la rigolade. D'accord? Des petits exercices tranquilles.
Là, on est sur la technique de travail, d'accord? On est sur du développement musculaire. Et c'est ce qu'on veut. On est là pour être esthétique, on est là pour être bien, d'accord? Donc, les rigolades avec le programme CHIP, c'est terminé. Là, si tu fais ça, c'est vraiment parce que tu veux évoluer, parce que tu veux aller loin, tu ne veux pas juste faire du sport pour faire du sport. Et aujourd'hui, on est là pour s'exploser, on est là pour se fumer la gueule, d'accord? On n'a pas le choix. Hop, on va repartir. On est à 28. Hop, on y va. Allez, il en reste encore deux. Hop, hop. Position de départ en haut et on y va. Une, deux, trois. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. L'autre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Les deux. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Temps de repos. Très très bien. Encore un trait. Troisième trait. Il en reste une. Et on est bon pour ça. Si tu te fais pas mal, tu vas pas progresser. Il faut se faire mal. Il faut se faire mal, il faut casser sa routine. C'est important, d'accord? Casser sa routine en musculation te fait évoluer, te fait progresser, te fait aller plus loin et te fait atteindre tes objectifs. Que ce soit en muscu ou dans la vie, hein, tu veux devenir riche, d'accord? Casse ta routine. Fais pas les choses que tu fais. Fais des choses que personne ne fait, d'accord? Bon, ça, la musculation, beaucoup de gens font ça. Mais la majorité des gens ne le font pas. C'est pour ça que quand tu sors dans la rue, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens musclés, en fait. Quand tu vas à la piscine, il n'y a pas beaucoup de gens musclés, en fait. Quand tu vas à la mer, bah, il n'y a pas beaucoup de gens musclés, en fait. Ça veut dire que très peu de gens font ce qu'on fait là aujourd'hui. Très peu de gens sont assis dans leur chambre, dans le garage, à pousser ou dans la salle, à renvoyer. Très peu de gens. Les gens de ton univers, oui, il y en a beaucoup, peut-être que tu en connais beaucoup, mais dans la vraie vie, il y en a peu. Très très peu. Donc nous on fait partie de ces peu de pourcents qui poussent et qui avancent. Faisons les choses bien ensemble. C'est important. C'est très important. Désolé, je vous surveille un peu le temps pour que ce programme soit le plus optimal possible pour nous. Hop, 28, on y va. C'est la dernière. C'est la dernière. D'accord? On fait les choses bien. On y va. Hop. Position de départ en haut, on y va. Une, deux, trois. Allez. 4, 5, 6, sois fier de toi. 7, allez, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, allez, 5, c'est dur. 6, c'est que ça bosse. 7, 8, 9 et 10, les deux. 1, je compte pour toi. 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok, très bien. Je mets hop, mon temps de repos. Mon quatrième trait. Et on est bon. Là, tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe à l'exercice numéro 5. Toujours dans les épaules. Cinquième exercice. Élévation latérale avec haltère. Simple. Ça, tu connais. On va faire ça tranquillement. On a bien massacré les pecs, on a bien massacré les épaules. Là, on va rigoler, on va se soulager un peu avec des élévations latérales. 4 fois 10 répétitions, 1 minute de repos. Ça va aller vite, on va enchaîner ça. C'est parti. Là, comme c'est des élévations latérales, baisse les charges, d'accord? Parce que élévation latérale, c'est pas le même mouvement que le développé militaire, ok? Tu as moins de force, l'amplitude, elle est un peu plus dangereuse. Donc, baisse les charges. Moi, j'aime bien pencher un peu le buste, histoire d'avoir un bon ressenti au niveau des épaules. Vous aimez bien rester droit, moi j'aime bien pencher un peu le buste. Donc, je t'invite à faire ça aussi. C'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, je mets mon temps de repos. Et mon petit trait.
Ok. Là, on a bossé les épaules en volume, en épaisseur. On a fait pareil pour les pecs. Là, on va bosser sur l'arrondi, sur la largeur des épaules. Être large, c'est important. Mettre des coups d'épaule, c'est important. Être imposant, c'est important, d'accord? Parce que esthétiquement, quand tu as des épaules larges, bah c'est bien. Quand tu mets des polos et tout, c'est ça, c'est grâce à ça que tu vas serrer les polos. C'est grâce à ça que tes t-shirts, tu vas les serrer. C'est grâce à ça. Il y en a qui pensent que c'est grâce aux biceps. Non, c'est grâce aux épaules. Parce que le biceps, il est là pour qu'on puisse le voir. Les épaules sont là pour qu'on puisse arracher les t-shirts. C'est important. Les épaules restent cachées, ok? On y va, on repart. Comme je t'ai dit, ça va vite, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets le temps de repos. Deuxième trait. On est bon. J'avais reçu une question d'une personne qui a dit qu'il a du mal à ressentir ses épaules quand elle fait ses élévations latérales. Moi, ce que je lui ai dit, et ça a bien marché sur lui, c'est de pas dépasser la ligne des épaules, d'accord? Si comme moi, ton trapèze est en point fort et tu sens tes trapèzes et pas tes épaules, ou t'arrives pas à sentir tes épaules, pardon, essaye de faire un demi-mouvement. Tu t'arrêtes là, d'accord? Le t'arrêter un peu plus haut, tu t'arrêtes là. Tu fais hop, comme ça. Et tu verras que tes épaules vont commencer à prendre. Bien entendu, tu vas faire des séries un peu plus longues. Tu vas chercher 15-20 répétitions, histoire de travailler à la sensation. Et dès que tes épaules seront bien sollicitées, là, tu peux mettre charge un peu plus lourde et travailler sur du 4x10 reps tranquillement. C'est l'astuce. Hop, on repart tranquillement. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, c'est tranquille. Ok. On est sur la fin. On est bien. On est vraiment bien. Troisième. Il en reste une en élévation latérale après. On est bien après. Après, on est bien. On passe à l'exercice suivant. C'est un programme assez long qui fait mal au début, qui soulage à la fin. Mais on est là pour ça. On est là pour progresser. D'accord ? C'est important. Il faut savoir, un problème de musculation ne consiste pas toujours à soulever lourd. Ok ? Ce consiste pas toujours à prendre des 50 kg, des 60 et faire des gros trucs avec des charges max. D'accord ? Il y a un temps pour les charges lourdes, un temps pour les charges moyennes, un temps pour les charges légères. C'est comme ça que tu te fais un bon programme de musculation. On n'est pas chargé, on est naturel, on n'a pas une source d'énergie illimitée, on n'est pas piqué. On n'a rien, donc on bosse avec ce qu'on a. On a une fatigue qui vient beaucoup plus rapidement, donc une récupération moins rapide. On peut prendre des baissés et tout, mais c'est pas ça qui va hop, nous rendre plus chaud. On y va pour la dernière. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, la dernière, 7, 8, 9 et 10. Hop, super. Je mets mon petit trait. Ok. Je mets mon temps de repos. Bon, là, tu prends 2 minutes de repos, 1 minute 30 de repos ou 2 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant, encore pour les épaules. Sixième exercice, on va se faire des élévations frontales avec haltère en unilatéral. Ok. Ça va faire mal. Ça va faire du bien. On va faire ça bien. 4 fois 10 répétitions. Ok, c'est parti. Ouh. Hop. 1. 2. Allez. 3. 4. On y va. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ok. Je pose les haltères. Je mets le temps de repos.
et je mets mon petit trait. Si tu sens que tu es trop KO, tu peux aller jusqu'à 1 minute 30 de repos, d'accord? Moi, je vais garder ma minute de repos, c'est important. Oh. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je dois me tracer, je dois brûler des calories. Donc, on veut être esthétique, temps de repos, court, ok? Oh. On va bientôt repartir. Tranquillement, on est déjà à 40 secondes. Le temps passe vite. Plus le programme avance, plus le temps passe vite. Au début, c'est long, tu te dis, ouais, ça va. Et quand tu arrives à là, tu commences à te dire, c'est quand que ça se termine. Parce que le temps là, il va très vite. Mais c'est ça qui est bon. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Ok, c'est bon. On va repartir tranquillement. Et on y va. Hop. Une. Allez. Ouf. 2. 3. Allez. 4. Allez. 5. Hop. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Hop, encore mon petit trait. On est bien, on est bien. Je mets la bouteille d'eau ici parce que j'arrêtais pas de la taper. Ouh. Il en reste deux. Il en reste deux. Et après, on est bien. Deux. Et après, on est bien. Ouh. Là, au niveau de la congestion, enfin, je me regarde un peu au retour caméra. Au niveau de la congestion, on est pas mal. Là, tu vois les épaules comment elles sont. Les pecs aussi, tu les vois un peu. C'est un délire, d'accord? C'est un délire. Pour la séance pull, si je la fais juste après ça, c'est les bras et le dos, d'accord? Donc là, ça sera incroyable. Je voulais faire la vidéo torse nu, mais le problème, c'est que j'ai le micro, malheureusement, où je vais le mettre, d'accord? Si je mets dans ma barbe, le problème, c'est qu'il y aura des bruits de vent quand je vais souffler et tout. Ça ne sera pas agréable. Hop, une minute, on repart pour la dernière. C'est parti. Enfin, je n'avais pas mis la troisième. Hop, on y va. Une. Oh non, je fais évasion latérale, pardon, excuse-moi. Hop, on y va. Une. Allez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Je t'ai dit c'est la dernière, mais je sais même pas si c'est vraiment la dernière ou pas parce que j'avais pas mis mon trait. Bon, tu sais quoi? J'espère que c'était vraiment la dernière, mais je vais en refaire une parce que là, en fait, la séance s'est fait tellement mal. Que je sais même pas comment j'en ai fait. Bon, j'espère que j'en ai fait 3. Si tu vois que j'en ai fait plus que 3 séries, continue avec moi. Sinon, se dire que je suis bon, je suis dans les temps. Oh. Allez, faut rester concentré. Oh. En plus, là, je transpire un peu. Le programme n'est pas fini. Après, c'est un dernier exercice. Et là, c'est bon, le programme il est terminé. Mais on reste focus. On reste focus. C'est important. Ouf. Mais là, ça va. On est sur la finition. Exercice léger. Ça fait pas mal. On fait ça bien. Ouf. 10 secondes. Ok. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Ouf. Une. Hop. 2. Ok. 3. Allez. 4. 5. Allez. 6. Allez. 7. Allez. 8. 9. Et 10. Bon. Là, je vais montrer.
on est bon. Hop, j'essaierai de plus oublier le trait. Oh, j'espère qu'on a vraiment fait 4. Ouh, je mets mon temps de repos. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va bosser les triceps à la barre au front avec les haltères, ok? On va faire ça bien, ok? On va se faire 5 fois 10 reps avec 30 secondes de repos. Ça va être rapide, ça va être fast et ça va faire mal. Parce que je rappelle, les exercices PEC ont déjà assez bossé les triceps comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est un petit rappel supplémentaire. C'est parti. Juste pour un rappel. Hop, mouvement de départ. Il est là. On descend comme ça. Et on lève. Et on fait ça 10 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on prend bien les triceps en prise marteau, en prise neutre. Hop. Ok, je mets mon petit trait. Hop. Le temps de repos de 30 secondes qui va aller vite. Et on est bon, on attend, on attend, on attend. Là, on est sur la fin du programme, d'accord? On est sur la fin. On se met bien, on n'a plus beaucoup d'énergie, on est fatigué. Mais ça, c'est un exercice qui va relancer encore un peu, sachant que moi, je vais continuer encore un autre programme, normalement. Donc moi, ça va me relancer un peu. Et toi, ce sera une bonne fin de séance, tu pourras te laver tranquillement. 29, 30, hop, c'est parti, on y va. Comme je l'ai dit, haltère en prise marteau et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Ok. Enfin, je mets mon temps de repos tranquillement. 30 secondes. 2. Ça va vite, ça va très vite. Après ce programme-là, tu peux faire une petite séance triceps si tu en viens. Hein. Un programme triceps point faible. Ou alors au DPEC, comme je t'ai dit en point faible. C'est les deux seuls programmes pour moi qui iront très très bien avec ce qu'on a fait. Refaire les épaules derrière ça, je pense, je trouve que c'est pas intéressant. En revanche, épaules, triceps, je trouve ça intéressant et je trouve ça judicieux de les faire. 29, 30, on y va, on repart. Comme je t'ai dit, 30 secondes, ça va vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Hop, c'est parti. Temps de repos. Mon petit trait, on est bien. 3. Alors, si tu as une barre droite ou une barre Z et tu préfères faire la barre au front à la barre, je t'invite à le faire à la barre. À la barre, on a une meilleure sensation qu'aux haltères. Mais moi, voilà, je l'ai fait aux haltères parce que je suis avec les gens qui n'ont pas de barre à la maison. D'accord? Je vous suis. Pour ce programme-là, je vous suis. Pour le programme d'eau, malheureusement, je ne pourrais pas. Je suis obligé de prendre la barre pour un des exercices. Mais si tu as une barre, prends la barre. Hop, il est déjà 36, on repart. On y va pour la quatrième. 1, 2, 3, allez, 4, 5, on est sur la fin, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Quatrième, je mets mon petit trait, il en manque une dernière et on est bien. Et ce programme est terminé, enfin. Ouh. On boit un peu d'eau, une gorgée. De l'eau chaude, qui est vraiment pas agréable. Et on va repartir tranquillement.
Allez, on repart pour la dernière. C'est parti. Allez. Une, on y va. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien. Bon, je me cale bien, hop, avec la caméra là, au niveau du temps de repos, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et soit tu passes à un point faible au des pectoraux ou un point faible triceps, ou sinon tu peux arrêter ta séance là et te reposer parce que c'est validé. Si t'as aimé ce programme PPL de la partie push, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.